Toi, t'es quoi? T'es plutôt dans l'équipe des nuls, toi. Mais non, c'est toi qui es nul, enfoiré, va. Mais je croyais qu'on était une team, c'est pas sympa de dire ça. T'es vraiment un connard! Salut, nous, c'est les nuls, la meilleure bande de comiques des années 80-90. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Salut, nous c'est les inconnus et on était plus drôles que les nuls. Mais bon, c'est leur avis, cela ne nous regarde pas. Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Pourtant c'est simple, hein. De quel humour les gens se souviennent-ils le mieux? De l'humour esprit canal ou de l'humour esprit antenne 2? Il paraît qu'Adrouot, il achète n'importe quoi. Oui, mais pour sa troisième femme, la princesse, il a eu du goût. Oh. La putain de sa race, le clacos, il fuse. Aïe, 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 aïe. Le typique, il a l'accent typique. Marie Assin, la putain de sa race, ma parole. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, notre humour, il vient pas que de la télé. Il vient aussi et surtout de la scène. Là où tu ne peux pas tricher, pas de montage, pas de réalisateur pour améliorer l'effet des blagues, c'était le public et nous. Bien, alors maintenant une question de Madame Trou. Sacré Philippe. Et Madame Trou, dis donc, il faut bien viser. Hein. Et là, je précise, Madame Trou de Limoges. Hein, oui, bon, heureusement que c'est pas de balle, sinon ça aurait été Madame Trou de balle. Oui, enfin, nous, on a aussi été sur scène. Sur la scène des 7 d'or. Parce que, par exemple, on en a gagné 3, quoi. J'ai préparé quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Hey. Oui, c'est un petit mot à l'équipe. On se retrouve après pour picoler. On se téléphone pour se donner un rendez-vous, comme on a dit. On se passe un petit coup de fil, comme on a dit. En tout cas, merci à tous. Ça fait 3 ans, c'est bien. Ça fait 3 7 d'or et ça nous fait plaisir. Merci à tous. Ah, c'est super. C'est super. Bravo. Nous, on a gagné un seul 7 d'or, mais aussi 4 victoires de la musique, un Molière et, ah oui, un César aussi. Tu sais, pour ce film que personne ne connaît pas par cœur. Tu vas les appeler. Non, c'est pas possible. Si tu avais appelé les États-Unis, tu vas leur dire tranquillement. Non. Oh, que tu étais tranquille. Non, mais c'est trop tard de le faire. Et pourquoi c'est trop tard? Parce que aux States, n'est-ce pas? Aux États-Unis. Il existe un article qui stipule, qui raconte. Ouais. Qui raconte quoi? Un article, non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Les datatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. C'est plus difficile, les bordels. Alors, nous, on n'a peut-être pas eu de récompense pour notre film, mais il est devenu tout aussi populaire que le vôtre, voire plus. Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Et attends, vous avez fait combien d'entrées avec votre film, là? 2 millions et des brouettes, et vous? Oh bah, quasiment 6 millions, hein? À peu de choses près, on a arrêté de compter, pardon. Nous, au moins, on a eu la décence de pas faire de suite, hein, pour pas pourrir le mythe. Non, parce que la suite des 3 frères, comment dire, c'était quand même... c'était gênant, quoi. Non, vous travaillez dans quel domaine? Boule de geisha, canard vibrant. C'est-à-dire, vous êtes plutôt dans l'art? Non, actuellement, je suis plutôt dans la merde. Une invite pour mon one-man show. Non, mais j'aurai pas le temps. Ah non, mais des one-man comme ça, y en a pas 2 sur Paris. Hein. Bernard, tu peux passer le hareng pomme à l'huile? Ouais. Mmh. J'en suis sûr. Bon, on va arrêter de se prendre la tête. On a tous fait marrer la France entière. Et puis c'est tout. Ouais, non, mais t'as raison, mec. Tu sais quoi? Allons chier sur la troupe du Splendide. Attends, hey, t'as vu les bons étroits? Non, je sais pas si tu sais, mais à côté, le retour des 3 frères, c'est du Fellini.